Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouveau stream sur Donjon. Soft, merci. Urg, je me demande quel esprit tordu a pu trouver des noms de lieux aussi désespérément puérils, maître. Quoi qu'il en soit, ce château abrite une relique légendaire, l'épée du destin. Mais elle est protégée par une prêtresse bienfaisante. Je suis sûr qu'un tel objet serait magnifique au-dessus de votre cheminée, à côté du Greg la mutante. Je l'avais testé vite fait, le vandalisme se fait très très vite. Il est parfaitement désigné pour votre vengeance. Ça c'est pour lui. Ouais. Selon laquelle Calypso aurait été vaincu par cette même épée. Car c'est temps. Malheureusement, le portail qui... Maître, j'ai pensé qu'il serait judicieux de faire de la place sur la... Je suis certain. Voilà la prêtresse avec la relique. Et d'autres... La prêtresse, elle doit être en bleu. Quelques coups bien... Mais d'abord, nous devons nous occuper du portail. Je n'attends plus que vous, monseigneur. Je re-sauvegarde pas parce que j'avais déjà sauvegardé une fois. Ouais, ici, il faut que je creuse un passage. Alors, est-ce que je le creuse là? Question, c'est surtout est-ce que je m'emmerde avec les héros? Ah, alors c'est là que vous vous cachiez. Je m'ennuie tellement. J'ai envie d'un peu de chaos, de destruction. Détruisez donc 5 pentagrammes pour me distraire. Allez, plus vite que ça. T'inquiète pas. Mignon, mais j'attendais mieux. D'un autre côté, vous êtes comme les films de M. Night Shyamalan. Voilà, ça c'est réglé. Ah, ça c'est quoi? Coup critique amélioré. C'est un sort, ça c'est un sort. Lui il va combattre ça et il va aller à la bibliothèque, la salle d'armes. J'ai 300 de prestige, donc je peux faire eux, mais je peux pas faire eux. Il y a un truc mural là.
Il s'est fait défoncer. En fait, ces petits... les crânes volants, c'est violent. Hein. Je m'occupe même plus des missions secondaires, hein, vraiment. Là, je vais les Cerber. Le cœur de donjon est attaqué. Déjà. Salut. Ça, c'est la prison. Donc là j'ai les Cerbères. Ça c'est pas mon pas. Mais bientôt. Vous voilà enfin. J'ai une mission à vous confier. La collection printemps-été vient d'être lancée. Alors j'ai absolument besoin d'or. Beaucoup d'or. Dépêchez-vous, il me faut cet argent. Les femmes. 500 pléo. Ça passe. Je vais faire une sauvegarde et je vais lui donner au dernier moment. Un héros est mort en combattant un monstre. Putain. Je te libère, je suis gentil. Mais c'était sur courant d'aide pour la cellule. Allez, faut que je cuisine sur les 10 000 de... 500, blablabla, il y a plein de trucs. Allez, c'est bon.
Ça m'apporte rien, à part qu'elle me fait chier si je le fais. Je vole l'or du dragon. C'est le dragon? Ok. Niveau 60. Regardez, un dragon. S'il y a un dragon, ça veut dire qu'il y a un trésor. Maître, essayez de vous glisser derrière la bébête pour voler le trésor. Comme ça ? Maître, le cœur du donjon subit des dégâts. L'un de vos monstres a tué un héros. Il a un sort d'étourdissement, c'est pour ça que je me fais avoir à chaque fois. Il me faut combien de prestige pour l'épée du destin ? Il me faut de l'or. J'ai oublié de lui donner de l'or. Pour combien ces mobs ? Ils sont niveau 20. Ouais, ça va, je peux me permettre de la contrarier en fait. Non. Ah,
Vu la quantité d'énergie d'âme que t'as, tu vas bien me servir. Un champion est entré dans le donjon. J'ai besoin d'or pour changer. Va mourir. C'était crâne. Hein. Putain. Creusez tous. J'ai pas les mines d'or et le... Et les autres... Ah si, là. Ils les ont pas mis en dernier cette fois-ci.
un fond bien rempli de héros là. Vous avez ouvert une nouvelle entrée, mais. S'il faut les refermer, je les refermerai, mais. En attendant, je les ouvre. Vous avez ouvert une entrée des héros, mais. Grandir comme ça. C'est toujours Martas. Lui, il arrive pas à avancer, il va mourir avant d'être au bout. Pourtant, c'est pas le niveau qui manque, ils sont un niveau de plus que moi. Il me faut de l'or. Oui, c'est vrai que je vais refuser de lui donner. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu vas attaquer, oui. Pas trop tôt parce que là. Un champion vient d'entrer dans votre donjon. Bon. On va peut-être qu'il se soigne, mais ah, il n'y a plus de potions. L'un de vos monstres vient de tuer un héros. Tant mieux. Lui, il est sacrément bien plein. Yahoo! Machin de la moitié de ce qu'il a, du sang. C'est à 500, t'inquiète pas, ça va arriver.
J'ai besoin d'or. Ouais. Continue à réclamer, t'auras rien. Salut cousin Ryo, comment tu vas? Là, je les prends pas les sorts, je prends les compétences passives donc forcément. Ça c'est un sort, ça c'est un sort, ça c'est un sort. C'est pour augmenter l'intel pour que j'ai beaucoup plus de mana, mais le mana, franchement, j'en ai assez pour ce que j'en fais. Ça, ça. Celle-ci que je voudrais monter, celle-ci aussi. Ça en fait, il faudrait que je la prenne. Ça me serait très utile. Ces deux lames sont intéressantes. Ça, je suppose que pas sûr. Vous dérangez, mais on vous attaque. Je suis où? Là. Ah oui, on m'a attaqué. Maître, le cœur de donjon est attaqué. Vraiment. Un champion vient d'entrer dans votre donjon. J'ai pas le droit de construire ici. Je suis en terre ennemie. Ça c'est de l'or. L'un de vos gobelins est mort, maître. Je
vois pas de quoi tu parles. Il me faut de Oui, madame pas contente, tout ça. Hop, on prend mon téléphone. Bah ça. À peine sonné deux fois. Mais j'ai massacré du héros là. Le mec il s'en va. Eh ben il s'en va plus. Un héros a réchappé à vos pièges, maître. Ah, j'ai pas vu qu'il y en avait un deuxième qui s'échappait. Augmente encore mon prestige. Il me faut combien? 560 pour les déclencher. Continuer à mettre des tonneaux. Voilà, j'ai 580. Je vais pouvoir passer au suivant. Je joue absolument pas les Valérie d'Amido. Hein. Comme ça, les héros seront pas distraits par eux. Bon, je suis où? Je suis là. Là, j'en ai un tout pourri. Là, il commence à peine. On jauge le fantôme. T'as rien vu. Maître, quelqu'un vous attaque! Non mais, t'es con ou tu le fais exprès? Ce pauvre gars tranquille. De toute façon, il va se faire massacrer par les autres mobs. Arriver à mettre les trois ici là. J'ai besoin d'or pour... Ouais, tais-toi. Un héros est mort en combattant un monstre. Ah, les cerbères plus les crânes derrière, c'est vraiment le chemin de la mort. Je vais éloigner un peu les...
menace ne doit jamais avoir moins de 20% de CP. On va essayer de faire en sorte qu'il ait toujours plus. Dans le prestige, là je suis à 118%, c'est bon. Ah, d'ailleurs, je peux pas faire la suite. Ah, ça c'est un bidon. Le champion arrive. Voilà. Champion. Attaque notre cœur de donjon. Peut-être que je fasse le gardien de ces quatre aussi. Toi deux, je pourrais pas. Bien plan toi. C'est combien là par c'est 6 12 donc déjà je peux en mettre 24 ah, comme ça pour changer 24 c'est 4 de plus. Un héros est mort en combattant un monstre. Je m'en fous complet. Il place pas tout seul, on est d'accord. Non, faut que j'aille le déclencher. Est-ce qu'il y a du monde sur le chemin ? C'est quand j'ai raté, c'est ça? Ils sont toujours niveau 20, moi-même aussi niveau 17, mais j'ai tellement de prestige, la défense. Salut Nayone! Alors il est bien. Si tu le prends pas pour un donjon keeper, il peut être pas mal. Hein. Parce que c'est pas un donjon keeper. Je creuse, effectivement, mais tu... En fait, t'as que trois salles à créer. Il y a la salle d'armes pour donner des armes aux héros. La salle de savoir pour donner du savoir aux héros. Et la prison. C'est tout. Voilà, donc c'est pas du tout le même genre. Ton maître du donjon n'est pas immatériel, puisque c'est un personnage qui est en jeu. Un peu comme un héros dans je sais pas, Starcraft ou Warcraft. Voilà.
D'ailleurs, il est où mon gars? Il est là. Je viens de faire un massacre, il lui sent partout. Ils sont comment? En train de crever. Ok. Quelqu'un vous attaque, maître. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. En attendant, je suis toujours pas mort. Voilà. Après, si je le fais, moi, Nayone, c'est pour suivre l'histoire. En fait, je vais tous les faire. Mais à partir du donjon 2, c'est bien meilleur, normalement. Entrée fermée. Impeccable. Tu vas où, toi? Un peu trop près de mon cœur du donjon, là, non? C'est pas ce que je pensais. Un peu trop près de mon cœur du donjon. Voilà. Mouru, t'es mieux mort. D'ailleurs, faut que je fasse. C'est vrai. Ah, celui-là qui m'a attaqué, il est mort. J'ai beaucoup trop de cellules par rapport à mon besoin en vrai. Mais... Lui, il va crever à cause des squelettes là. Les héros ont deux niveaux de plus que moi. Ils arrivent pas à tuer mes mobs qui ont bah, deux niveaux de moins, du coup. Voilà. Bah, trois maintenant. Un champion est entré dans le donjon. Oh, monsieur le champion. Vous embêtez pas, j'arrive. C'est moi qui attaque quelqu'un. Des gentils de pacotille attaquent le cœur de donjon. J'ai fait mon archange là, enfin mon ange de feu. T'inquiète pas. On va pas l'attaquer longtemps. C'est ça que je voulais faire. Ça, tu vas mourir. Parce que j'ai envie. Une chose. Si je clique comme ça, il faut que mon sort est actif. Ouais. Votre gardien est attaqué, votre seigneurie.
Je me laisse le temps de fermer le portail du haut, ensuite je nettoie les héros, et je peux envoyer Martas. Sinon je peux l'envoyer et nettoyer les héros tout de suite aussi en haut. Mais je veux faire ça proprement. Pas assez d'or, moi je dis. Ouais, mais ici aussi il y a de l'or. Merde, ça c'est du granit, ça. Il y a un dragon, j'ai piqué son or déjà. Des vermisseaux attaquent votre gardien, maître. Maître, le cœur du donjon subit ouais. Des dégâts. Toi, tu t'y crois, mec. Ah ouais, il est allé jusqu'à combattre là-bas, lui. Il aime ça. Hein. C'est-il pas qu'il y en a un qui essaye de s'enfuir ? Le champion arrive. Heureux de vous voir, maître.
a une nouvelle entrée pour les héros. Une nouvelle entrée est ouverte. J'ai fermé les portes et je les rouvre. Le portail. Je m'en occupe. Protégez-moi quelques minutes, le temps que j'ouvre le portail. Quelques minutes ? Aussi long que ça ? Oh, je suis surpris moi aussi, maître. Veillez bien sur Martas pendant cette durée, tant que le portail n'est pas ouvert. Les héros qui vont sortir de là, ils vont se faire massacrer instant. Deuxième squelette, non. Non, bon, tant pis. J'aurais peut-être dû laisser les entrées du les portails fermés. J'ai l'ange et j'ai de quoi défendre. Spawn kill. Ça devrait passer crème. J'aurais dû se garder avant, pas forcément maintenant. Champion est entré dans votre donjon, maître.
C'est que le champion, je vais pas forcément pouvoir m'en occuper. L'un de vos gobelins est mort. Maître, c'est fait. Le portail est ouvert, votre démence. Il est où, monsieur Mortas, du coup? Comment osez-vous m'attaquer? Vous allez goûter à ma colère. Y a un truc que j'ai pas suivi. Il est où, Martas? J'ai perdu un gobelin, maître. Ah, mais c'est qui reste avec moi? C'est nuisible. Jusque là-haut. Ok. De tuer un héros. Allez, on y va. Protège Martas en même temps là. Votre crétinisme, un groupe de héros est en train d'approcher. Je vous conseille de filer à l'anglaise et d'aller vous cacher. Vous vous battrez une prochaine fois. Voilà une cachette idéale.
Donc je me doutais qu'il y avait avoir des problèmes. Et donc j'ai fait ça. Et là, je pense qu'on va pouvoir revenir. Se faire défoncer. Un monstre a déchiqueté l'un de vos héros, mais... L'un de vos monstres vient de tuer un héros. L'un de vos monstres a tué un héros. L'un de vos monstres a tué un héros. J'ai plus besoin des héros qui rentrent dans le donjon. C'est pour ça que je referme les portes. Je viens d'apprendre qu'un groupe de héros vient de s'engouffrer dans le portail de notre donjon. L'un de vos monstres a tué un héros. C'est bien celui-là, Wigrid qui a échappé à Nokshoris. Un monstre a déchiqueté l'un de vos héros, maître. Un héros est mort en combattant un monstre. C'est qu'il doit y avoir un portail pas loin là. Votre enflure, de nouveaux héros. Oh, c'est pas sur moi que tu tapes. Vous avez deux possibilités. La première route passe en plein centre, alors vous devrez beaucoup vous battre. La deuxième contourne cette zone. Vous serez donc un peu plus discret. La décision vous appartient, maître. L'un
de vos monstres a tué un héros. Un monstre a déchiqueté l'un de vos héros, maître. Alors, le chemin de la discrétion, ou... Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entretuent? Ah, toi, tu veux te battre? J'ai fait un détour par ici pour pas avoir à me battre. Je l'aurais bien fait bourrin, mais en vrai, je suis pas sûr de Martin, ça prend des coups trop facilement. Un monstre a déchiqueté l'un de vos héros, maître. Annexe, plus discret, il y a un héros tous les trois pas, quoi. Et puis, il se retourne automatiquement sur Martas, hein. L'un de vos monstres a tué un héros. L'un de vos monstres vient de tuer un héros. A déchiqueté l'un de vos héros, maître. L'un de vos monstres vient de tuer un héros. Maître. Juste un détail. De nouveaux héros ont... Enfin, nous y sommes presque, maître. Tu es donc cette sainte... de vos monstres a tué un héros. L'un de vos monstres a tué un héros. Excellent travail, maître. Vous leur avez donné une bonne chance et le butin est à vous. L'épée du destin est proche, seigneur. Je peux déjà ressentir... Il y a quelque chose d'étrange ici. L'épée du destin est à vous, maître. J'ai déjà fait de la place sur le manteau de la cheminée, à côté du palantir made in Taiwan. Oui, il reste de la place pour Calypso. Valet cuit-cuit. Ah, attends.
château du paradis. Urg, je me demande quel esprit tordu a pu trouver de chemin au moins aussi désespérément puéril maître. Quoi qu'il en soit, ce château abrite une relique légendaire, l'épée du destin. Mais elle est protégée. Pour moi, il n'a jamais eu moins de 20% de CPV, mais bon. Salut, Cui-Cui. La vallée Cui-Cui est un endroit ravissant où les oiseaux gazouillent et où tout le monde est con. Ne pas mourir. Quelle horreur! Seigneur, il est temps de glisser un silence dans la partition de ces oiseaux piailleurs. Non, ne réfléchissez pas. J'ai déjà tout prévu. Comme vous le savez, les crapauds mangent les mouches. Eh bien, les crapauds géants, eux, choisissent des cibles volantes un peu plus grosses. Vous m'avez compris. Il ne reste plus qu'à organiser une migration de crapauds. Je crains cependant que notre entreprise soit entravée par ces écologistes de malheur. Vous devriez aller leur expliquer vos convictions en matière d'environnement, maître. Plus de 20 grenouilles ne doivent mourir. Ça peut être compliqué. Comme je le pense, c'est la quête de Lot et vous ne devez pas mourir. Allez, on est parti. Bienvenue à la vallée Cui-Cui, maître. Bah, je crois que je vais vomir si je reste dans un endroit pareil. Sauf si nous le retouchons un peu, bien sûr. C'est ici que vos crapauds entreront dans le donjon, maître. Et c'est ici qu'ils le quitteront pour rejoindre la vallée Cui-Cui. À part raser la barbe d'un nain, il n'y a rien de plus simple. Tout ce que vous devez faire, c'est faire en sorte que les crapauds arrivent à la sortie, en sécurité. Cette tâche ridicule n'est vraiment pas digne d'un maître de donjon aussi puissant que vous. Alors, je suis là, ils rentrent ici, ils sortent là. Ils font tout le tour. Il y a un truc qui cloche. Je peux faire un diablotin. Ah, j'ai pas assez de prestige. Oh, j'ai des limons. Cool.
J'ai pas du tout regardé les autres trucs. 3500 points de prestige. Ne pas être ressuscité. 24 euros. 41. Ça, c'est pas un bâtiment, je comprends pas. Vous êtes attaqué. Oui, jusque-là rien n'était normal.
Parce que ça va être ça mon problème, les héros qui vont arriver d'ici. Qui sont niveau 25, effectivement. Avec les écologistes, ça. En gros, faut se ouvrir les portes pour avoir des héros, pour avoir de l'or et du prestige et maintenant que j'ai pris ça, ça spawn plus négatif, on est d'accord. Juste un projet scientifique de grande envergure. Vraiment? Oh, en dehors du dernier CD de Madonna, je n'arrive pas à imaginer quelque chose qui m'intéresse moins. Je me demande encore comment vous avez réussi à... Ces héros me font vivre un vrai cauchemar. D'habitude, je les manipule sans problème. Mais ceux-là me résistent à cause de leur idéologie, si on peut appeler ça comme ça. Je ne peux pas accepter que quelqu'un résiste à mes nombreux charmes. Occupez-vous d'eux. Maître, cela risque de prendre beaucoup de temps. Donc j'étais en train d'aller tuer ça. Allez au travail, petit.
Maintenant, faudrait que je m'étende. Par là, il y a des trucs. Hein. Ah merde, c'était déjà une salle comme ça là. Ah tant pis. Quelqu'un vous attaque! Maître, les crapauds géants commencent à partir. Mais si je ne me trompe pas, l'odeur qui flotte dans le donjon est celle... Le champion arrive. C'était combien? Pas plus de 20 grenouilles perdues. Excellent. Contente de voir que vous avez trouvé comment vous rendre. Cette vipère ne perd rien pour.
Ah oui, j'ai fait ça, j'ai gagné des points. Comme j'aime ces animaux totalement dispo. Voilà, ça, ça m'embêtera plus. Maître, l'une des entrées en surface a été ouverte. On dirait que ces misérables héros bien pensants veulent réduire votre... Est-ce que ça me dit combien j'en ai perdu? Non. Je t'en perds 2, 3 peut-être. Voilà, celle-ci, et après je suis tranquille. Tout est à moi. Je me demande si je peux la fermer celle-ci. Je peux la fermer, je la referme, je suis tranquille. Une vague de héros. Regardez les bondir. Ils sortent par 10. Pourquoi ils passent pas par le donjon? Maître, une nouvelle entrée en sur. Ils ont rouvert celle-ci. Bon, ces crapauds-là devraient passer ça.
sans aucun problème. J'ai capturé des repères de monstres. Eux ne m'attaquent plus. J'adore là aussi. Pas de soucis pour cette fête-là. J'ai 15 secondes d'écart, je sais pas. Les crapauds sont entrés dans. Ouais. C'est pas combien de temps il met pour farmer là. Le portail. Ça c'est là tout en haut. Ça m'inquiète pas parce que eux sont déjà passés. J'ai 258%, ça devrait aller. Ouais, vraiment c'est un niveau, à la limite, même ne pas ouvrir de trucs, c'est rentable. Alors faut ouvrir un là avec un chemin là, là pour faire des salles. Thank you.
3 secondes, c'est fini. Portail fermé. Comment on va jusque derrière là, par là? Je vais grandir là, là. Et pas seulement en direction du portail. Fermé. Champion arrive. Il n'a pas duré longtemps. En vrai, dans les niveaux, si on s'amuse pas à faire tous les défis, il y en a pour trois quarts d'heure, une heure. Là, je pourrais creuser tout ça pour qu'ils aillent plus vite là. Ça m'a ouvert celui-là. Encore celui-là. 1, 2, 3, il y en a encore. Et merde, j'ai enlevé mon sort. Celle-ci qui était ouverte. Vous êtes attaqué. Je m'inquiète pas pour ça.
Salut Lynn. Bon courant, merci d'être passé. J'enverrai un message sur Discord. Voilà, merci. Déjà, j'ai ouvert le passage, donc il passe au milieu. Là. Ensuite, là, 6 jours, ils vont passer là. Ça ira beaucoup plus vite pour les faire passer. C'est pareil en réalité si j'enlève ça là. Il doit bien passer en travers. Ça changera rien. En fait, il rentre pas vers la zone du donjon initial. Enfin, je donne encore les 2 minutes là pour voir. Ils ont commencé à creuser là. Pas très compliqué ce niveau. Dommage, je pourrais pas faire de stream ce soir, donc ouais, je vais essayer de le finir samedi matin du coup. Sauf si je fais du Zelda, et que je le finis samedi dans l'après-midi. Je pense que ça va finir comme ça. On est là. 1 minute 10, ouais, il y a 1 minute d'écart, le temps qu'ils arrivent là, il y aura la minute. C'est fait exprès pour leur tomber dessus. Prestige, c'est pour les faibles. Je fais ça, mais ça me sert à rien. De grenouille au père. Je veux dire... Comment est-ce que je vais faire ça ou est-ce que je vais faire le tour normal? Ça sera fini, la partie sera finie. Un champion est entré dans le donjon. Un champion est décédé dans le donjon. Là, du coup,
Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Deux, trois, quatre, cinq, six. Un seul cirage, là j'ai fini. Dévorent tous les oiseaux qu'ils y trouvent. Maître, si vous voulez faire du tir aux pigeons, dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Les champs ont laissé place au croissement, maître. Mission accomplie. Franchement, c'est une... avec les pouvoirs que j'ai de refermer le portail, c'est une des missions les plus simples que j'ai faites. Gentil. Maître, vous souvenez-vous de Martas? Non? Ah? Non, c'est sans importance. En fait, il est possible que ça le soit. Ce paladin déchu a été manipulé par votre ex chère et tendre, qui en a fait son favori, et lui a confié la gouvernance de Bourg-Gentil, qu'il dirige d'une main de fer. En plus, le traître nous a dérobé l'épée du destin. Nous devrions le rosser sans plus attendre, maître. Ah oui, et il risque d'être accompagné par deux autres sbires. Je me disais juste que vous aimeriez le savoir. Alors, pas mourir. Ah, le cœur du donjon ne soit pas endommagé. Ça, ça peut être compliqué, moi qui l'oublie souvent. Libérer tous les héros emprisonnés. Faut être rapide pour ça. Ne pas construire d'éléments lumineux, ne pas construire d'accessoires dans la bibliothèque. Ah, il y a 20 sacs au trésor cachés. Ça, ça peut être sympa. Prendre le contrôle de 15 pentagrammes. Ne pas mourir. Bureau dans le cachot, j'en fous. Pas soigner le cœur du jour, ça c'est fait. 20 copains, ça peut se faire. 10 000 PO. Ah, oh, Midas, 10 000 PO. 5 000 points de prestige. Ouais, ça va être sympa. Donc, plus que deux niveaux que l'on fera normalement samedi après-midi. Ce soir, c'est Escape the Backroom avec ce Timio. Demain soir, c'est GTFO avec la team, avec tous les Evan et Swata, s'il est dispo, ou quelqu'un d'autre. Samedi matin, je pense que j'essaierai de continuer Zelda Oracle of Season. Samedi après-midi, du coup, juste un stream qui va durer 2h30, 3h pour finir donjon. Dimanche matin, nouveau rendez-vous avec le sage, qui n'est plus le samedi matin, mais le dimanche matin. Le petit stream avec le sage, donc là on va refaire un petit retour sur... sur Starbound. On l'avait fini, mais on va faire un tour dessus, visiter ce qu'a fait le sage. Visiter ce que j'ai commencé moi à faire, comment continuer à le faire, à y réfléchir et à construire cette base que j'ai. Et dimanche après-midi, on continue Night of the Dead avec Emilol et Kelgar
Je ne me trompe pas. C'est bon. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon appétit, une bonne journée, et je vous dis à ce soir pour ceux qui sont là, et à très bientôt pour les autres. Salut à tous, bon app.